6 mois passés à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Beasunda quitte aujourd'hui satisfaite des réalisations, en particulier la signature de l'arrêté conjoint portant organisation et fonctionnement des académies. La finalisation du processus d'acquisition des bus et leur mise à disposition pour le transport des étudiants a permis à l'État d'épargner 59 millions par mois depuis évidemment 6 mois. La ministre secrétaire générale du gouvernement adjointe, Rachel Walmi Bahira, renvoie le nouveau ministre dans ses fonctions. Le ministre de l'Enseignement supérieur entrant a quant à lui remercié les plus hautes autorités. Cette marque de considération et de confiance renouvelée nous indique l'obligation de répondre à la confiance par la confiance. Rappelons que Dr Ali Waïdou, qui prend désormais les rênes de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, est un enseignant-chercheur à l'université de Moundou, dont il fut chef de département de philosophie, puis directeur général du Centre national des œuvres universitaires, CENU.